Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaétan, j'étais à Québec, puis je fais de la recherche du développement dans le tir de loisirs. Je vous montre mes nouveautés que j'ai faites. Là, je suis en train de développer une cible. Je développe une cible spéciale. C'est tout simplement une petite cible comme ça, transportable. Je ne sais pas si vous voyez bien simple. La particularité, c'est qu'elle se roule. Je colle une feuille de papier ici, je la mets à angle en arrière. Il y a une grosse plaque de métal. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai fait plusieurs tirs avec. Hey, ça va bien. Les projectiles, là, ils tombent direct à terre. Ils vont pas plus loin. Fait que ça, c'est un genre de cible que je vais pouvoir mettre à terre n'importe où, tirer. C'est pas compliqué, hein? Un morceau de fer, je tout de la récup. Là, je suis en train de me développer un chariot mobile pour pouvoir aller tirer à 100 mètres, 150, 200, 300, aller dans des champs, aller un peu partout. Fait que ce qui va être intéressant, c'est que je mets mon coffre de carabine qui va être là, ici, en dedans. Là, je ne l'ai pas pour l'instant. Que j'ai pensé faire, c'est que je vais mettre tout simplement mes sacs de sable dans la chaudière. Comme ça. La chaudière, je vais la mettre ici. J'ai prévu un attache en haut pour pas qu'elle tombe. Ça ici, ce qui est particulier, c'est que j'ai laissé dépasser les patins, les pattes. Je sais pas si vous voyez, les pattes, ils sont plus longues. C'est que quand je vais arriver dans la terre, les roues vont soulever de terre. Là, ce que je vais faire, je vais bouger la table jusqu'à temps qu'elle soit bien, bien solide. Je fais ça en avant et en arrière pour pas qu'elle bouge. Je la pique dans le sol. Je me suis mis un dessus que j'ai récupéré. Mon fils, il avait ça. C'est une vieille table de boucher en gros plastique solide. Ah, c'est intéressant. Puis là, ce qui est de le fun, ben là, je peux promener ça comme ça à la main pour le moment. Mais là, je me suis aperçu que c'était versant, ma patente. Les pneus, c'est versant parce que quand je me balade, si je pogne un trou, là, ça peut verser. J'ai pensé, je vais élargir les roues. Je vais les mettre ajustables pour les élargir en masse. Moi, j'ai un vélo comme ça à batterie. Là, j'ai un projet de fou. Ça va être ça ici. Je vais attacher ça là. Genre une patente de même là, que je vais mettre dans le milieu. Je vais l'attacher solide avec des roues plus larges. Hier, j'ai été faire un test pour le fun. Ça va bien sur une route droite, bien droite. Mais aussitôt que je vais entrer le bois, ben, ça verse. Je l'ai versé plusieurs fois. Pour fabriquer ça, ça n'a pas été compliqué. J'ai tout simplement pris un chariot. Je l'ai mis là-dessus, je me suis dit ça va faire le job. Ça, c'est même enlevable. Je dévisse ça ici, je peux l'enlever. J'ai pris du petit fer de récupération que j'avais de mes cibles l'année passée. En fin de compte, c'est pas pire. J'ai fait quelques tests, c'est bon. Fait que c'est ça la patente. Je suis en train d'essayer de développer ça. J'avais pensé mettre juste une roue centrale et l'attacher comme il faut sur le vélo. Mais là, je pense que je vais élargir tout simplement les roues. C'est vraiment intéressant. Puis mes cibles, je pogne un paquet de cibles. Je mets ça là. J'attache ça. C'est prévu pour. Donc pour l'instant, ça va bien. J'ai fait un test hier. J'étais allé à 200 mètres. Pour le fun avec la table, juste pour le plaisir. Je l'ai versé, je ne sais pas combien de fois d'entrée dans la boîte. Mais c'était pour le fun. Je suis en train de développer ça, des cibles, puis là, la scope cam, je suis content.
Tu es en train de faire un paquet d'affaires là pour que ça aille de mieux en mieux. L'a appelé Papa Mobile. En tout cas, j'ai construit ça au lieu de construire une table à 100, une table à 150, 200, 250. Je me suis dit, ça, je vais pouvoir la mettre dans la vanne, l'amener puis la promener partout. Genre aller dans des champs, mettre ça en arrière du vélo, rouler, aller loin. En tout cas, c'est des projets que je suis en train de faire. Ça m'amuse. C'était ça les nouveautés. Bon tir les amis. Papa!